Et oui, ça enregistre, ça marche, le Stream Deck fonctionne. Coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Aujourd'hui, on va faire l'élection de l'héritier de la génération verte. Ok, vous avez compris, hein. Voilà, soyez pas choqués. Et bien sûr, tout le chat vous dit bonjour. Moi, je pourrais vous même pas vous envoyer des saucisses et trucs parce que Stream Deck ne veut plus que j'envoie, je ne sais pas pourquoi. Alors, il veut bien que je mette des sons, que j'enregistre, que je passe des pubs. Mais pas que j'envoie des émotes dans le chat. D'accord. En plus, on vient de passer un très très bon moment à rigoler entre nous. Entre toutes les conneries qu'on a pu dire quand on était enfant. Ou les problèmes d'incompréhension quand on est étranger, qu'on vient vivre en France. On a beaucoup rigolé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Hein, si vous avez envie, évidemment. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis voilà. On est là pour la génération verte, tout à fait. Sachant que la génération pêche est encore en vie. Il en est où, Toto? Toya, il va devenir personne âgée dans 4 jours. Donc on a encore un peu de temps avec lui, avant qu'il casse sa pipe. Opaline sera jeune adulte dans 4 jours également, en même temps que papa. Pomme sera dans 9 jours. Et notre ami le Hulk, bah lui vient d'à peine d'être ado, donc dans 12 jours. Ça va. Ça fait une bonne moyenne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Not So Berry la semaine dernière. La semaine dernière, on a un peu sauté. Parce qu'il y a eu la sortie de Vie à la campagne. Donc on reprend tout doucement. Voici notre première compétitrice. et sûrement gagnante de cette élection. Qui est la petite pomme, pom, 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 pom. Et le Hulk. Et le Hulk qui est là. Le Hulk, on l'avait retapé avant le live, je crois, hein. Le Hulk, il est pas trop dégueu, hein, mais il vaut mieux être tapé que naturel avec le Hulk. Tous, c'est ça. On se demande qui va gagner. Bah écoutez, on a une idée qui est pas mal, c'est comme on peut pas faire le piraton, parce que c'était le mardi et que là, il n'y a pas eu mardi, donc on n'a pas pu le faire. Et qu'on peut pas attendre une semaine, ça va être très long quand même. Une semaine sim, ça va être très long et on perd des objectifs, tout ça, on perd du temps. Ben, on va faire une petite compète à jouer multijoueur. Donc, Opaline et le Hulk vont combattre l'un contre l'autre. Et le gagnant va combattre Pomme. Et bien sûr, Pomme va gagner. Voilà, voilà pour l'élection. Ça, j'espère que ça vous ira sur YouTube, évidemment. Dans le chat Twitch, tout le monde est d'accord. Des bisous King of Pomme, merci pour le fou rire, vraiment. Bon courage à toi, des bisous. Génération Poirot, exactement. Ceux qui n'étaient pas sur ce live, qui regardent leur YouTube, ont pris quelque chose. Vraiment, ça fut extrêmement drôle. On a vraiment bien rigolé. Ah mais parce que toi, tu viens mater ton beau-fils qui prend sa douche. Et tu oses l'envoyer bouler. T'es vraiment une counasse, hein. Tiens, regarde, rien que pour le coup, il prend tout son temps pour regarder son téléphone. Allez, vas-y, pisse, douche-toi. Allez, arrête de te plaindre, wesh. Ça va? T'es pas encore plus lente pour... Ouais. Oh, les Sims, des fois, ils me rendent dingue. Hein. C'est... Ils mettent... Alors, ils se plaignent d'une chose, sauf que... Pour faire la chose dont ils ont besoin, ou qu'ils ont envie, ils en mettent encore plus. Moi, je ne comprends plus, ils me rendent de dingue. Je suis encore en train de rire, j'avoue. Surtout, faut pas te dire que tu veux Pomme, sinon ça va être elle. Ça va pas être elle, mais si, ça sera elle. Il n'y a pas de souci. Donc là, il va aller en cours, et puis quand on rentre, Opaline et Hulk vont faire la petite compète. Tranquillou bilou, ça va être très rapide, parce que de toute façon... merde. Ils vont... Attends, hein, je sais plus mes touches, moi, la vache, là, comment ça fonctionne. Y a plus rien à bouffer? Si, prendre des restes. Alors, j'ai la tête dans le slip, moi. Jour, alors, je dis pas. Je sais plus jouer. Bah, merde, mais quoi? Mais elle est où la bouffe qu'il y avait? Il y en a plus. Mais JPP, je veux que Shanks vienne sur mes genoux pour qu'il profite du livre, mais il préfère se rouler par terre. Oh, un petit bichon, fais-lui un gros bisou.
Bon bah vous vous démerdez, vous bouffez pas et puis c'est tout, non? Ça commence à bien faire. Je suis horrible, ouais, je suis d'accord. Je parle pour moi. Eh, mets un peu de maquillage, va. Ça cachera les horreurs. Crois-moi, ça fonctionne très bien. Tiens, tu vas aller faire le ménage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore en train de se doucher? Bon, moi, je sais plus ce qu'ils font, je comprends plus rien. Il y a de la bouffe, il n'y a plus de bouffe dans le frigo. Pff. Tout va bien. On va lire la G9 sur 10 générations. Ça fait combien de générations, du coup? Ouais, c'est la 9e. Ah, bah, attendez, je vais vous montrer. On va en profiter, parce que là, on a un mur avec tous nos héritiers. Alors, ne pas accompagner. Je vais mettre sur pause, je vais y arriver, hein. C'est pas possible ça. Oui, parce que en fait, le YouTube, si vous saviez, je me suis endormie comme un caca sur mon canapé avant de lancer le live. Et j'ai été réveillée par une de mes voisines qui a sonné à la porte. J'étais déjà en retard d'un quart d'heure. En plus, ça a bugué tout ça, bon bref, et après on a papoté. Donc, alors, ceci, le mur des héritiers du Nozzoberi. Je vais vous faire les présentations. Première génération, Mante. Pepper a ouvert le bal. Ensuite... C'est Bordeaux, son fils, qui a repris. Je suis de retour, j'ai acheté plein de billets. Attention au deuxième train de la hype. Merci beaucoup à Kikor, mais je pense pas qu'il y aura de deuxième train. Je ne pense pas. Donc, nous avons la génération Mante, la génération Rouge. Ensuite, nous avons la génération Jaune, qui est avec Pulco, ou Pulcote pour les intimes. La génération Grise, avec Nuage. La génération Violette, c'était la génération Prune, pardon, avec Lila. Ensuite, on continue avec la génération Orange, avec Copper. Puis, la génération Rose, avec Chamallow. Et enfin, la génération Pêche, avec Toya. Bien, tant pis. Alors, merci beaucoup pour tes bits. Après, je crois qu'ils font un temps entre les deux, c'est pour ça que je pense pas qu'il y en aura un autre, mais c'est gentil quand même, merci beaucoup. Salut Topia, comment tu vas? Donc, voilà où on en est. De ce magnifique mur des héritiers. Et voyez que ça tout a été fait alors à part Pepper, parce qu'on l'a créé évidemment, donc elle n'a pas été élue par rapport à quelqu'un d'autre. Tous les autres ont été élus au hasard au fur et à mesure du jeu, et face à une compétition qu'il y avait entre leurs frères et sœurs. Bon, j'avoue que j'ai triché pour la génération violette, parce que Lila était jumelle. Et ils avaient une autre sœur, mais la sœur était moche, donc je l'ai écartée direct. Donc elle a combattu contre sa jumelle, les autres. À part Pulcote, évidemment, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul enfant et qu'on ne pouvait pas avoir de choix. Donc c'est Pulcote qui est arrivé. Pulcote, c'est la génération jaune. Et puis voilà, ça fait un beau petit mur d'héritier. Et on attend, bien sûr, la génération verte pour ajouter un autre portrait. Voilà, le bichou, il attrape ma main pour me faire des léchouilles. Oh, mais non, mais il est tout, mais sûr qu'il est mignon. Le fameux hasard, bien sûr. Non, si, en vrai, la génération, il n'y a que la génération violette où on a écarté Prune, qui était vraiment trop moche. Et les deux sœurs ont combattu. Regardez-moi cette petite beauté. Ils sont beaux, ils sont chauds. C'est la génération poireau. Allez vous faire des amis les enfants. Hop, elle va aller bosser. Et puis bah Toya, il va aller bosser aussi après, hein. Enfin je crois, enfin j'espère. Oui c'est bon. Non parce que j'ai pas envie, voilà, ils vont tous aller au boulot, à l'école. Et puis ça, la journée elle va passer très très vite. Sauf plus qu'au fils unique. Ouais c'est ça. Montre l'arbre généalogique, bien sûr, si tu veux. Hop! Alors, on va remonter à Nunu. Nunu, Bordeaux, Pepper. Alors forcément, comme les autres sont morts entre-temps, il nous en manque quelques-uns. Pepper, Bordeaux, Pulcote, Nuage, Lila, Copper. Ah, il reste que Fox. Ah, il reste que Fox, mais toute la branche Fox va s'effacer. Chamallow et sa sœur Sakura. Donc nous c'est ici, c'est Chamallow, puis Toya, et voilà les enfants verts, et Toya a eu deux sœurs, Melba et Dahlia. Et puis voilà, bah, ils ont fait des gosses un peu, mais l'arbre est un peu petit, parce que bah, comme on perd les frères et sœurs qui n'ont pas été héritiers, bah, on perd des branches. En vrai, ils devraient être pas aussi petits, hein. Ils devraient être gargantuesques. La rime est magnifique. Enfin, Jeune et Grise, on se souvient tous de Minnie. Oui,
Ouais, la génération grise avec nuages, elle avait une sœur vraiment mignonne, on la voulait tous en tant qu'héritière, mais elle n'a pas gagné. Et là, bah, j'ai envie vraiment que ce soit Pomme, parce que non seulement elle est belle, et en plus, moi, je veux que ce soit une fille. Malheureusement, le Hulk est un garçon, donc je suis obligée de tricher. Après, on verra. Il y a peut-être moyen que on va faire les compétitions, puis si elle gagne, tant mieux, et puis si elle gagne pas, elle gagnera quand même. Quand je regardais encore les rediffs, à chaque fois que tu disais Pulco, je chantais la pub, on prenait pour une folle. C'était fait exprès. Ah bah ça y est, il se met à jouer. Ah, j'ai encore bougé le tapis. Il me rend ouf, leur tapis, avec la, à la fac. Mais tu vas bosser quand? Ah bah voilà, suffisait de demander. Ah, il s'éclate. Il s'éclate, le boomer, là, sur les jeux vidéo. Et Nuage, c'était pas la plus ouf. Ouais, mais ça va. Franchement, elle nous a fait des beaux enfants. Nunu, elle était mignonne, tu vois. Finalement, je suis contente que ce soit elle. Alors, on va faire ça. Mais ouais, Mini, c'était quand même notre préf. Hein. Elle est pas passée. Qu'est-ce que... Ah ! Il y a l'homme de ménage qui est devenu fou. Attendez, parce que... Normalement, maintenant, on peut centrer la caméra dessus, je crois. Ah mince. Bah je peux pas. C'est dans action. Bah c'est vrai que j'ai pas de Sims dans le coin mais... Oh bah c'est dommage, je peux pas coincer la caméra dessus pour le voir courir. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, la foudre elle a tapé contre la piscine. Heureusement que ça nous l'a pas supprimé. Ok boomer. Les tentes de Toya sont encore là. Ouais mais ça va pas être... Nous voulons croquer notre pomme d'amour j'avoue. Elle ressemblait beaucoup à... Elle ressemblait beaucoup à Pulco Simini. Ah mais... L'homme de ménage a bien du courage de sortir, hein, parce que franchement... Il va se faire griller le cul. On n'aura pas compris. Il est trop... Il est très sympa ce genre, ce monsieur. Salut Maïli, comment vas-tu? Qui est mort? Ah, quelqu'un qui est mort? Ah oui! Perd un ami. Oh, c'est pas grave, c'est personne. Bon, on n'a même pas vraiment reçu de notif. D'accord. Qui c'est qui est mouru? Charlotte est encore en vie. Oui, parce que alors, parce que normalement, le Note Soberry, c'est beaucoup de foyers que vous créez, que je mets dans cette partie. Excusez-moi. Oh, Madeleine, elle est devenue vieille. Oh, l'enfer. Et du coup, bah, Martial a partagé son foyer, qui est donc composé de ma SimSelf et de son SimSelf. Et le pire, c'est que ma SimSelf est aussi policière. Donc, c'est-à-dire que ben, la génération de pêche, j'ai pas arrêté de me croiser moi-même. Voilà. C'est tout pour moi. Qui est mort? Qui est mort? Nous avons Omar qui est mort, mais je... Ah, mais j'allais dire Manon, mais non, mais c'est normal. Manon, c'était sa femme, Hector. Bah, écoutez, je ne sais pas. Naomi? Lisa, je vois pas du tout qui c'est, Véronique. Alors là, je vois pas qui est mort, en vrai. Merci beaucoup, fan de Léna, pour ton follow, bienvenue à toi. Griller la saucisse, j'avoue. Si le Hulk gagne, on le fait prendre un bain de minuit dans la piscine et on ferme avec les barrières. Oh là là, quelle violence. Ah bah maintenant il fait beau. D'accord, tout est normal. Tout est normal. Pour centrer la cam, il faut aller dans les relations. Ouais, mais comme c'est l'homme de ménage, je pense même pas qu'on l'est. Je pense pas qu'on l'est dans les relations. Donc. On entend vraiment beaucoup la circulation ici. Et merci Crayon Cyan pour ton follow également. Bienvenue à toi. Enceinte jusqu'au jeu, Charlie en plus. Oui, c'est ça. Elle nous a fait des grossesses nerveuses. Elle court en culotte dans le quartier. C'est bien. C'est... Très normal comme fille. Hein, Par contre, on l'a vu bosser. Elle bosse pas beaucoup, hein, personnellement. Voilà. Alors, c'est bien, ils font des rencontres au lycée. N'hésitez pas, du coup, à préparer peut-être vos plus beaux mâles et femelles hein, pour que je puisse caser mes enfants. En tant que jeune adulte, ce serait parfait. Regardez-moi ça, la belle brochette! Mais qu'ils sont beaux! Oh, ils sont beaux, ils sont frais et ils vont se compétitionner. Merci beaucoup, Shanice, pour ton follow également. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Ah, ça pue, là. Vous savez, le bruit de bagnole, là, ben voilà, ben, ça pue le...
le pot d'échappement. Voilà. My Sims Racing avec le Hulk. Ta-ta-ta-ta-da. Alors que Pommette... Pommette est donc notre héritière, vous inquiétez pas, pour l'instant elle a cette coupe de cheveux là, mais tout lui va, et je lui mettrai des cheveux longs après. C'est elle qui gagne. Mais chut, faut pas le dire, vous êtes pas au courant, d'accord? On va faire une vraie compétition là. Allez, le frère et la sœur, ils compétitionnent, oh, regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Ah, t'as vu mon doigt? Non, je vais pas finir la phrase. Ah, ça pue, wesh. On dirait qu'ils ont foutu le feu dans le tiercar là. Regardez-moi ça, compétition de toute beauté. Alors, vous voyez pas, parce que je suis en train de centrer pour une possible miniature, mais... Qui sont beaux ? Bon, bah le Hulk a perdu. Le Hulk a perdu ! J'y peux rien, il joue pas, cet idiot. Je lui demande de jouer, il joue pas. Ah bah si, ça y est, il rejoint la partie. Putain, mais il a du mal, hein. Vas-y, bouge tes fesses, hein. Ah bah dis donc. Oh la vache. Qui c'est qui gagne? Je pense qu'effectivement il perd. Mais chut. Salut Martial, comment vas-tu? On vient de commencer la compète. C'est quoi le hashtag? Bah, t'as vu, même elle le dit, ma salux. C'est quoi l'hashtag? C'est, ouais, c'est le not so Shirley. Ah mince, on peut pas faire des seniors. Mais tu fais ce que tu veux en vrai, mais c'est vrai que là, si tu veux, tu peux partager des familles avec des enfants. C'est qui ça? Mais. Mais qui es-tu, monsieur? Bon alors, qui c'est qui gagne? Mais vous êtes qui, hein? Hiroto Yamamoto, mais moi je m'en fous, moi je t'ai pas demandé de venir. Oh, puis ce tapis. Ce tapis, j'en peux plus. Dégage, je veux pas te voir. Bon, t'as perdu, toi? Je sais pas, il y a pas de compétition, en vrai, hein. On peut pas faire ça. À moins que ce soit le truc d'arcade, bah d'accord, maintenant c'est elle. Bah, tout va bien. Bah on peut pas compétitionner avec ça? Je pensais qu'il y avait une histoire de... Bah oui, c'est beau drôle. Ça fait quoi comme une playlist? Bah voilà, maintenant tu sais. Mais non, on va le laisser tranquille. Bah il est beau gosse, hein, après avoir retouché sa tronche quand même. Bah, j'ai pas vraiment de quelque chose. Bah, elle est à fond sur les jeux. Une vraie geek, hein. Ça marche pas. Chantal, je vais te haïr. Martialux. Je pensais que t'avais un mood pour ça, mais moi aussi, en fait, c'est dommage. Ah, je pensais que tu parlais de mon fils, de le Hulk, que je voulais le tuer. Je suis bon, non, quand même. Il est mignon. L'autre, c'est vrai qu'il était moche, mais... Lui, c'est un poireau, hein. C'est vrai que c'est lui qui ressemble plus à un poireau que ses sœurs. Il gagnera pas, Martial. Une partie de baby. Ouais, mais il faut que ce soit plus geek. Retourne au piratage. Merde, pardon, excusez-moi. Ben, ce truc, c'est que... Elle est très avancée, notre amie Pomme. Ou alors, si on met effectivement le... La très très truc. Je vais y arriver. Alors, c'est pas ça, c'est la très grosse truc, là. Ah, je sais plus parler. Activité d'intérieur. Parce que là, ça... Parce que là, il va y avoir de la compétition. Magnifique au demeurant. Hein. On va la mettre là, regardez, on a de la place.
Voilà. Incroyable. Alors ça, c'est parfait quand vous faites un decade. Hein, pour les années 80, c'est parfait. Allez. Jouer un jeu d'arcade avec Pomme et le Hulk. C'est parti, mon zizi. Jeu d'arcade, merci, Sarah. Parce que Pomme par ici, Pomme par là. Oh là là! Et pour cette génération, les enfants sont tous beaux. Ouais, ils sont passés par Bistouri Shirley, tu connais? Après, ma mère est venue m'étrangler. Pourquoi faire que petit? Elle a pas réussi tant que tu sais encore respirer. Ah, il en manque un. Oh là là, il fusionne avec sa belle-mère. Oh, hey. Mais oui, mais tu arrives en retard, mec. Comment tu veux? Bon, on voit pas ce qui se passe, mais... Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, meuf? Passe aux choses sérieuses, termine le niveau d'un jeu d'arcade. Mais elle est trop sérieuse, elle! Bon, bon, on peut pas jouer, hein! On peut pas compétitionner! C'est pas possible, ça. Allez, viens t'embêter, bah. Faut prendre rendez-vous pour Bistouri Shirley. Ah, bah ça. Faut prendre rendez-vous dans le CUS. Pomme de Renette et pomme d'Api, exactement. Parce que là, si on suit la logique, mais Opaline, elle est à fond sur tout à chaque fois, hein. Mais y a pas de moodlette. Y a pas de moodlette genre perdu ou quoi. Ils s'amusent, mais ils perdent pas pour autant. Oui? C'est quoi ça? Jeanne. Oh la vache! Oh le machin! Vous êtes prêts à voir des horreurs? Les loups-garous arrivent, hein. Je vous le dis, moi. Oh putain! Les loups-garous! J'ai eu un indice! Prochain pack, les Sims! Les loups-garous sont là! Je sais pas pourquoi, j'en ai pensé à loups-garous. Pourquoi pas, après tout? T'as raté quoi? Pas grand-chose, Agathe. On essaye de voir si on peut faire une compétition au jeu vidéo, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, donc ça va être compliqué. Elle est trop sérieuse, t'as pas entendu. On recommence jusqu'à ce que Pomme gagne. Après, moi, je m'en fiche, en fait, de qui gagne. Oh là là, pourtant, ça a fonctionné chez moi tout à l'heure avec la console. Pour... Le perdant est en colère. Mais c'est fou! Pourquoi, moi, ça marche pas? Vous voyez un petit peu la beauté fatale? Voilà. On ne se moque pas du physique des gens. On apprécie leur singularité. Dit-elle. Oh, c'est des Sims, hein, ça passe, en vrai. Je suis désolée, il y a des Sims qui sont plus moches que d'autres. Mais pourquoi tu joues plus toi non plus? Ah ça y est, oh, je comprends plus rien moi. Ok. Ben je sais pas, écoutez, j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup hein. Tu peux faire à manger, Jean-Guy, s'il te plaît. Tu peux faire... Alors, servir le dîner. Fausse viande et chips. Boulette de viande, allez. Une bonne petite boulette de viande, là. Bon, bah lui, il est tristoun, mais alors les gosses, ils vont bien, hein, ça. Bon, et ça marche pas, hein. Ça marche pas, il... Je ne sais pas. Une génération pour les PNJ, ça commence à être douloureux. Ouais. C'est ça. Parce que là, chez Verny, je sais que c'est quelqu'un qui m'avait fait une famille. Mais voilà ce que ça commence à faire après. Au bout d'autant de temps, ça fait mal.
Eh, madame, tu peux partir, s'il te plaît, hein, c'est... Ouh. Bah, remarquez, on le voit aussi avec le Legacy, et pourtant, le Legacy, j'ai ajouté 0 Sims depuis le début, et on galère à trouver des gens qui sont potables, hein. La preuve, on a vu un qui était potable, c'était le cousin. Oh oui, mais bon, du coup, on peut pas ken le cousin, quoi. Ça se fait pas. Choisis quelque chose qui te plaît, t'inquiète, tu as le temps. Oh là là, éducation. Faut que je réessaye. Faut pas faire un tournoi de jeu, mais c'est solo. Sinon, tu fais tourner la roue sur la console. C'est une dame. Oui, c'est une dame. Bah oui, c'est cassé! Tiens. Papa, reviens faire tes boulettes. Les boulettes! Dans Legacy, ils vont être en âge de se taper le livreur. Non. Non, parce que c'est des bébés et lui, forcément, prochaine fois qu'on joue, il sera ado, donc ça, il va y avoir un sacré décalage. Et salut Dauphin, comment vas-tu? DNA? Ou je la refais? Ouais. DNA? ADN? Je me suis fait piquer, là, ça me gratte. Ah ouais, toi t'es comme ça, tu lances ta tomate et tu la coupes comme ça. Moi je fais ça, je découpe mes chats parce que les couteaux ils vont partir, tu vois. J'ai mon petit Titou qui fait dodo là, il est trop beau mon fils. Ouais, il est un truc responsable, viens manger. Pourquoi vous êtes sorti en vrai? Il doit faire froid, ah oui il fait froid. Allez hop, tac, tout le monde va manger, tout le monde mange, à la queue-le-le, tout le monde chante, à la queue-le-le. Ça je l'avais à la cave dans le Decades, et ben je peux vous dire que entendait tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou, c'était, en fait au début je me demandais si ça venait, parce qu'on l'entendait super fort quand on était au rez-de-chaussée, et au bout d'un moment j'ai capté que ça venait de ça, c'est très chiant. Est-ce qu'on entendait le tchou-tchou-tchou-tchou, hé hey, neige. Oh oh, on s'est reçu un petit éclair ici, du Tristom. Ouais, ça nous a pas cramé la... Oh putain, j'en ai marre de... Vas-y, emporte-le dans ta tombe, ce truc-là, parce que j'en ai marre. Ah la vache. Dans mon Legacy, je suis à la seconde génération et j'ai déjà du mal à trouver du potable. Ah ouais. Bah après, nous, on avait tout supprimé, tous les foyers de EA. Et j'avais mis des familles pareilles des abonnés, donc ça a aidé pour voir d'autres têtes. Et ça a été, en vrai, pendant un moment, ça a été, on trouvait quand même de quoi faire. Et je crois que c'est plus vers la 6-7e génération que ça commence à devenir compliqué. Là, on est pareil sur la 9e, c'est dur hein, de trouver quelqu'un de potable. Hein. Mais on trouve. On est... Faut juste... Bon, des fois, il y a un petit coup de bistouri qui fait, hein, parce que franchement, c'est juste pour améliorer, c'est... Juste pour être au mieux. C'est quoi ce film, là? C'est quoi ce truc? Ça me flingue, moi, des fois, ce qui passe à la télé des Sims, en vrai. On regarde pas assez souvent, hein. Il sait pas, c'est des trucs bizarres. Si je te partage mon ketchup pour pommettes... Par contre, plus t'es prêt, moins ça fait fort. Mais partage, ouais, partage ton foyer. Hein. J'avais dit que je le ferais, mais je dirais que j'ai pas regardé depuis un moment pour ajouter des familles. Faudrait que je le fasse. Alors, tout le monde va dormir. C'était devoir à toi? Ouais, bah tu l'es fait. Bon, bah, je sais pas. Hein, voilà, on s'assume, c'est déjà qui gagne, alors... c'est facile. Ah la vache. Bah papy. Enfin c'est pas encore papy mais dort pour de bon. Fais pas une sieste wesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouh il conserve du gras au bide là. Quand il sera vieux il va falloir rhabiller le toit hein, parce que franchement plus rien ne va. Ça va pendre et tout ça... Tu joues en quel monde? Ouais Oasis Spring. Ah bah dis donc, il met du monde. Hein. Tu m'étonnes que les gosses soient starbés quand tu vois ce qu'ils regardent à la télé. C'est ça.
On est sur Oasis Spring, on est dans le quartier qui est en haut à gauche. Du coup, qui est un peu plus vert. Voilà. Ça se voit, c'est des vieux quartiers. Hein. Regardez, au niveau des tailles du monde, c'est pas terrible. Hein. Quand on voit la taille à Dunfermline-Bagley, par exemple. Voilà quoi. Et comment il va Merguez, j'avais oublié, j'étais pas sûre. Non, c'est vrai que c'est Roger qui est mort. Et lui, c'est Merguez. J'avais zappé. Je peux même pas vous envoyer de saucisse. Il me dit qu'il l'envoie, mais ça l'envoie pas. Je suis tristesse. Je suis tristesse. Même plus vous envoyer d'attaque de saucisse. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu pues? Elle va pisser. Elle va prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle bête. Tu feras ménage aussi, tiens. Attends. Attends. Il est 5 h du matin. Qu'est-ce que vous vous levez déjà? Placer dans le monde, choisir son aspirateur. Mais tu peux pas nettoyer? Consulter niveau de poussière. Vas-y, consulte. Vas-y, jette. Fais le ménage avec ta belle-sœur. Ta belle-mère. Ta belle-sœur. Par contre, qu'est-ce qui m'agace à vouloir tout sniffer à chaque fois? Oh, quelle perte de temps qu'ils font quand ils sniffent. Ah bah d'accord. Je pensais que t'allais prendre une douche en fait. Eh ben t'essuies! Ah là là, quelle complication tu te fais dans ta vie, toi. Ça va, pomme? Pomme, elle doit faire un petit caca. Un caca aux pommes. Je sais pas, je trouve que c'est rigolo. Un caca aux pommes, je sais pas. Cherchez pas. Tu vas manger des boulettes au petit-déj, parce que c'est trop bon les boulettes au petit-déj. Puis là, ils vont aller encore en cours, hein, et puis on va essayer de refaire un truc pour la compète. Parce que là, je sais pas. Le jeu de fléchettes. Bah, ce serait mieux que ce soit avec des jeux vidéo, en fait. Parce que c'est exactement le fil rouge de leur génération, mais ça marche pas. Ouais, baby foot, ouais, j'avoue. Un cake aux pommes, c'est ça. Voici mes mains préférées. Avec les packs que j'ai sous la nid, Monko Moribi, Willow Creek. Alors, sous la nid, je suis d'accord. Vraiment, Monko Moribi, le problème, c'est que bah, je suis pas fan de. Ni de du monde un peu asiatique, ni de la neige. Forcément, ça aide pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. Il fait ses meilleurs. Tu vas te laver dans la piscine, toi. Bah, ça donne envie, tiens. Oh bah! Un flic tombé à l'eau! Sortez vite! La bouée! A rencontré Frédéric. Ah, mais on s'est encore pris la foudre là? On s'est. Il y avait quoi ici? Il y avait quoi ici qu'on s'est fait cramer? C'était ça. Mais l'orage, il est fou, hein. Ça suffit, oui. Oh la vache. Ça me rappelle quand je faisais le challenge des enfants parfaits. Quand t'as 7 gosses qui vont à l'école, je peux te dire que les notifs comme ça, c'est horrible. T'en as 7 à chaque fois. Horrible. J'ai des avions de chasse si tu veux, mais je sais pas comment on fait pour les envoyer, mais j'ai pas ton ID. Mais non, tu partages avec le hashtag sur la galerie. Dans le texte où tu les présentes, tu marques le hashtag notre Shirley, c'est bon. J'ai pas beaucoup de packs, donc je fais avec les trois que j'adore. Non, mais pas de soucis, Adeline, t'as raison. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout, hein. Tant que vous kiffez les Sims, si vous éclatez avec votre jeu, moi c'est l'essentiel, hein. Délai imminent. Toi, il y a un délai très important qui s'approche et qui approche, pardon, et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-il faire? Est-ce qu'il se cache dans le placard où il demande de l'aide? Ou est-ce qu'il se cache dans l'aide et il demande un placard? C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que fait-on? Winnenberg et Anford en Begley plus coup de cœur pour Solani. Ouais. Ouais, j'avoue que moi, Widenberg, Soulani, et puis maintenant Enford, ouais, c'est très très joli, hein.
On demande de l'aide, il demande un placard, placard, je garde placard, Marie, hein, tant qu'à faire. De l'aide, demande un placard, demande de l'aide, un placard, très bien. Il y a quand même un peu plus d'aide, hein. Là on est sur 6 contre 4, sachant qu'il y a 2-3 trolls dans les placards. On demande de l'aide, on est d'accord, allez c'est parti. Et un gain de performance moyen. Ah, salut Dalien! Bah écoute, oui, si tu veux. On est en train de taffer, donc on te répondra quand on rentrera du taf. Parce que nous, on est comme ça. Quand j'aurai vu à la campagne, la ville, Infernbeglé, je la mettrai en deuxième place. Eh bien, il y a un concours en ce moment sur ma chaîne, n'hésitez pas. Hein. Si vous checkez la description des vidéos Charmante Campagne, vous avez un petit lien pour participer. D'après ce que j'ai vu, il y a très peu de participation. Parce que soit les gens, bah, vous êtes partis déjà l'acheter, ce qui est normal, je peux comprendre. Mais ou alors ils ne regardent pas les descriptions. Et que comme j'en fais pas trop la promotion, bah, n'hésitez pas. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent, vous avez plus de chances que ça tombe sur vous. Donc n'hésitez pas à y aller. Et ma chaîne YouTube, tout simplement, c'est. Hop! YouTube, c'est participer, participationner, tout ça, n'hésitez pas. Par contre. Le code que je vous donne ne, a priori, n'amène pas les trois objets cadeaux. Après, je pense que c'est déjà pas mal d'avoir un pack à 40 balles gratuits. Et peut-être qu'après, ils les donneront quand même à tout le monde, ces trois objets-là. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu cool. C'est la première fois qu'ils font ça. C'est sympa. Alors, elle est enragée, elle. Où est-ce qu'on a un truc? Tu vas te calmer. Ici, ma jolie. Voilà, tu vas essayer de te calmer. Toi. Bon, mais t'as pas mangé en vrai? Et lui, il pue. Bah toi, tu vas te prendre une douche. Bah alors? Ma pommette? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Maxime Bolivar. Non, mais je l'ai vu en haut là. T'as pas l'air terrible. Donc j'ai peur. J'ai un petit peu peur quand même. Je vais pas vous le cacher. Est-ce que tu peux. Je vais éternuer. Non, c'est bon. Eh ben si. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Alors, tu vas manger. Tu vas faire à bouffer. Parce qu'il y a déjà plus rien à bon manger. Tu sais. Ouais, les macaroni fromage. Ouais, d'accord. Il est peut-être très sympa, hein, mais ça sera pas le père des futurs enfants. Ouais. Ah, bah, vas-y. T'aurais pu choisir de demander un placard, j'avoue. Pour ça, je pense que ce serait pas au concours. Pas de soucis. Moi, c'est sur Xbox Web. Bah, moi, c'est sûrement des codes PC, donc je peux pas. Je l'ai acheté, mais j'ai participé avant de le prendre. Bah, si tu gagnes, t'en fais quoi, Oniri? Je retire au sort? Tu me diras. Après, je te demande toujours une confirmation au cas où la personne l'a déjà acheté. Sachant que le concours, c'est jusqu'au 31 minuit. Donc, je sais plus quand est-ce que c'est. J'allais dire samedi, mais je suis pas sûre que ce soit samedi. Merci beaucoup, tout le monde, pour mes souhaits. Rendez-vous. Rendez-vous des horreurs ce soir, c'est ça. Bah, il n'y peut rien, ce pauvre. Mais ils sont tous dans des états pas possibles. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé à l'école pour chacun, mais. Mais moi, ouais, on a un grand miroir là, j'avais zappé. J'ai oublié. C'est samedi? Ok. Bah, de base, je devais pas le prendre maintenant. J'ai craqué. Bah, c'est normal. Je peux comprendre, et puis j'espère que. Tu te plairas. Ça te plaira quand même. Oh là là, oh là là. Oh. Regardez-moi les deux là. Des zombies. Et des zombies. Et elle. Elle a fait. Oh, mais qu'est-ce qu'il est moche celui-là? Pourquoi il me parle? Ils sont tous dans des états pas possibles. Hein. Quel enfer. Ah,
c'est l'heure de la pub. C'est parti mes petits enfants, je vais vous passer une pub de 60 secondes. N'hésitez pas dans le chat, ceux qui le verront, à me dire, à me faire un petit mot sur le chat, comme quoi vous avez une pub que je vous remercierai. Et grâce à ça, vous participationnez légèrement à mes revenus sur Twitch, puisque ça me rapportera quelques petits micro-centimes d'euros. Merci à tous. À tout de suite. C'est ton anniversaire samedi ? Oh, c'est bien ça. C'est ça, si je gagne pas, je l'achète début du mois prochain. Bah t'as raison. Est-ce balancé ? Ah non, ça marche pas la pub. Il me dit que ça marche pas. Alors je suis obligée de relancer à l'ancienne. Que je me connecte là-bas. C'est pas grave, vous allez les avoir quand même les pubs. Vous allez vous délecter. Alors lancer une coupure publicitaire. C'est parti, à tout de suite. Voilà. 2200 boules, Toyat. Oh là là. Mais il s'est passé quoi aujourd'hui entre l'école et... Quel enfer. Mais il va prendre une douche là, hein, ça ira plus vite. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui va chez tout le monde. Et elle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, toi, il n'y a que elle qui est à peu près potable. Les autres, il n'y en a pas un qui va bien. Non mais c'est mon stream deck en fait, il veut pas en fait ça s'est déconnecté. Mais il y a des trucs que je peux balancer, mais il y a plein de trucs que je peux pas. Je peux toujours balancer les trucs, tu vois, mais là comme il a pas envie de bosser, tout simplement j'ai envie de dire que c'est honteux. Voilà. C'est mon anniversaire, donc je me suis... Ah ! Eh ben, merci beaucoup, toi, Erios, pour la pub. Et merci, Adeline, également, pour la pub. Merci beaucoup. J'ai un peu hier, aujourd'hui, je suis morte. J'ai dormi 3h cette nuit pour la formation de 9h à 16h. Ah oui, ça s'est bien passé, je crois, j'ai vu, Oniri. Tu vas mettre la place de la femme. Peut-être. Ou alors, je mets juste cuisine, mais comme c'est vous qui l'avez aussi, j'ai pas envie de faire le doublon. Que j'ai des sons et que vous ayez des sons, parce que après ce serait dommage. Ce serait dommage. Alors, tu vas rejoindre un jeu d'arcade. Le pauvre, il cherche des amis en fait, Maxime, mais bon, il est trop moche. Bon. On va voir. Premier round. Premier round de cette compétition. Non, en vrai, c'est chiant, il y a un qui fonctionne, quoi, mais bon. Ça en fait des ennemis, hein, dis donc. Par contre... Si, si, on voit bien que ce truc-là, c'est elle. Là, c'est le orange... Je gère réjouissant. Bien oui, elle aime les jeux vidéo parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, Opaline éliminée. Oui, ça m'arrange. Ah bah tiens. Oh, incroyable. C'était Pomme sur la dernière sur le jeu. Oh. Oh, bah c'est elle qui a gagné. Incroyable. C'est Pomme qui a gagné. Quelle surprise Kappa. Ça m'arrange beaucoup, hein. Bon, elle est pas triste. Elle est pas très contente, mais... Bon, on prend ça pour la vraie compète ou pour une manche? Ben, on s'y attendait. Ben, oui, mais bon... Je pensais pas qu'elle serait la dernière sur le jeu, quoi. En vrai, ça m'arrange beaucoup, mais... Voilà. Voilà. Est-ce qu'on refait pas un petit jeu... s'inscrire à un tournoi de jeu? Non, on va... Un petit joueur... Frénésie des fêtes. Non. Allez, on va s'en faire une deuxième. Deuxième manche. Ben, je me désabou. Bon, ouais, j'ai peur rien, ça a gagné, hein. La vraie compète. Oui, la vraie compète, c'était celle-là. Vous avez pas vu? Si, j'ai dit que... J'ai dit premier round. On va faire un deuxième, c'est pas grave. Tu l'as fait plus jouer que les autres. Oui.
Oui, mais je pensais que ça marcherait vraiment en vrai pour la compète. Enfin, c'est vraiment pas une connerie. Bah non, elle a 4, hein, Opaline. Elle a moins. Et lui... Bah il a 1. Il y a que le Hulk qui a moins. Mais c'est Opaline qui a le plus. Hein. Bah, écoute, les autres, on sait pas où ils sont. Ils sont censés jouer avec... Mais c'est n'importe quoi, mais ça marche pas. Les prétendants doivent avoir les mêmes traits de caractère que les héritiers ou pas. Ça dépend des fois selon les générations, il y a des demandes spéciales d'après les règles, mais là, il n'y a pas, je crois. Non. Il n'y a rien. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait avoir 5 bons amis et 5 ennemis. On doit accepter toutes les invitations de ses amis. Mais bon, comme pour l'instant, on ne sait pas qui. Ah bah, ils sont motivés à venir jouer, hein, la vache. Merci beaucoup, Amélie, pour ton abonnement YouTube. Merci beaucoup. Par exemple, pour la génération grise, il fallait absolument avoir un trait spécifique pour pouvoir épouser. Là, la génération pêche, il fallait que ce soit forcément... Viens ici, toi. Il fallait que ce soit une collègue de travail. Donc, il fallait que vous me partagiez vos foyers avec déjà, en tout cas, lancé dans la carrière. Pour que mon jeu, moi, considère que... Ce soit une carrière ou voilà que la personne soit dans la carrière quoi. Salut. Ça va? Tu viens dire bonjour aux abonnés? Bah oui. Oh putain, il est plein de plaques. Non, les abonnés sont de l'autre côté, Jamie. Bon, excusez-le, mais là il veut faire câlin à maman avant de vous dire bonjour. Salut Josie, comment vas-tu? Donc je sais pas si ça va fonctionner. Oh là là. Ah quand même. Attendez, quoi? J'adore les jeux vidéo. Oui, donc c'est pas une question de... C'est pas un moodlet genre j'ai gagné contre mes frères et sœurs, quoi. Bon bah celui qui quitte en prime, ça a perdu, quoi. Hein. C'est Toya qui a perdu. Il va faire qu'à la maman, hein. Mise à jour, redémarrage, worst timing ever. Ouais, je sais, ouais, je l'ai eu aussi. Ça va, Josie. On essaye tant bien que mal d'essayer de faire une compétition de jeux vidéo pour nos Sims. Ah, j'ai cru qu'ils avaient arrêté, mais en fait, non. Hein. Parce que là, il y a des scores, donc en vrai, il devrait y avoir un score. Ça me paraît logique, il y a plein de trucs de score quand ils jouent les uns contre les autres. Même le bowling et tout. Je suis désolée, le chat. Mais là le jeu a choisi, hein. Je les ai fait compétitionner les trois. Hein. Là y a pas photo, on a le moodlet et c'est elle. Hein. J'y peux rien. Pour le concours, on doit faire les 8 ou juste 1. Tu peux en faire un, tu peux... Concours de quoi? Parce que si tu parles pour les familles des notes Sobéry, tu me fais des foyers avec 2-3 personnes dedans, c'est largement suffisant. C'est validé, là, c'est... Là, en vrai, j'ai pas triché du tout, hein. La pro des jeux vidéo gagne à Frénésie des Fêtes. Ils étaient tous les trois. Et il y a bien un moodlet de le Hulk qui a perdu. Lui, il a carrément perdu de chez perdu, quoi. Il perd à Frénésie, et elle a pas... Elle a rien de spécial. Elle était au milieu, quoi. Donc, bah, c'est... On va dire que c'est bon, hein. Pomme a gagné cette compétition. Ah, le concours pour DLC. Ah, pardon, j'avais pas compris. Tu fais ce que tu peux, en gros, parce que si tu as Twitter, ben tu peux RT, tu peux follow, tout ça. Enfin, tu fais ce que tu... Si tu as le réseau social, tu peux aller dessus. En vrai, j'ai fait ça parce que ça brasse comme ça un peu tous les réseaux sociaux. Effectivement, ceux qui ont tous les réseaux, qui me suivent sur un peu partout, ben, ils sont plus avantagés. Vous cliquez dessus, ça valide juste, en fait, même si vous me followez déjà, vous êtes déjà abonné, tout ça.
Bon, ma pommette. C'est pommette qui a gagné, Jamie. Ils sont fous. Regardez-moi ça. Câlin, maman. Pommette a gagné. C'est incroyable, mais vrai, pour le coup. Hein. Le jeu a choisi notre pommette, sachant que sa sœur avait plus de skills. Donc, bon... comment dire... c'est comme ça. Oui, jeu vidéo, elle avait un peu plus. Ouais, elle a toujours un peu plus. Par contre, toi, Jeannette, tu vas me passer l'aspirateur? Parce qu'il y a des moutons un peu partout, là. Surtout là-haut. Hein? On a gagné, mon titi, mon père Jamie. À force de dire titi. C'est Pomme qui a gagné. T'es content? Parce que maman, elle est contente. Oh là là. Regarde, dis bonjour aux... Oui, oui maman, oui, mais attends, dis bonjour aux abonnés avant. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Eh oui, bonjour les abonnés. Je m'appelle Jamie. Je fais beaucoup de conneries. Non, il veut sa mère. Il veut sa maman. Mais où est-ce qu'elle passe la spie, elle? Il grandit super vite, le Jamie. Bah ouais, hein, il faut ce qu'il faut. Hein, regardez-moi ça. Là, c'est ma main. Avant, il tenait dans cette main-là. Maintenant, c'est à peine son cul, quoi. C'est fou, hein? Ça va vite, hein. Après, il reste toujours petit, mais... Parce que je vois bien la différence avec Titi, mais bon. Elle passe l'aspirateur à minuit et demi. Bon, j'enregistre, on en profite, parce que ça valide... ça valide notre petite pomme en tant qu'héritière. Oh là là, c'est bientôt l'anniversaire de Toto. Toyette. Écoute, Jamie, il est tellement chou. Oui, bah quoi, c'est pas quand il fait les conneries. Parce que quand il fait les conneries, il est insupportable. Quand il mord tout le temps, tout ça. Et c'est... Pardon? Mais elle était en bas. J'ai bugué, là. Elle s'est matérialisée dans le mur, on est d'accord? Comment elle est passée aussi vite à l'étage, celle-ci? Non, c'est un petit gars. Il a une coucougnette pour l'instant. L'autre, elle est toujours pas descendue. Hein? Elle a toujours pas de deuxième coucougnette? Je vais peut-être m'inquiéter, moi. C'est un petit mec. Je partageais deux frères comme prétendants. J'adore jouer avec eux. J'espère qu'ils vont plaire à Pomme. On verra, verra. Hein. Elle descend quand la deuxième? Je sais pas, il faudrait que je l'appelle. Coucou Nietas, faut que tu descendes petite. Voilà, j'ai fait un appel à la coucougnette. Tu t'en vas? C'est bon, tu as eu ton dû, tu te barres? Et quelle saleté ce chat. Quelle saleté. Bon, c'est enfin propre, allez, va dormir, va. Pourquoi c'est allumé ici? Je pense que Merguez va bientôt rendre l'âme. Mais qu'est-ce que... Mais dors! Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Sims, à pas faire leur nuit? Ils sont fous. Ah, explosion nucléaire détectée. Ah oui, effectivement. Il s'est réfugié là-haut. Ah! Ah! La truc est sale, attention. Qui va donc nettoyer la cage va peut-être se faire bouffer le doigt. Pomme, on va te laisser en dehors de ça, hein. On va y envoyer ta belle-mère, peut-être que le destin... Sachant que vous savez que Merguez a tué Manon, la mère des enfants, parce que Jenny n'est pas la mère de ses trois enfants verts. Et donc elle est morte d'une maladie du rongeur, cette pauvre Manon. Allez, va te laver ce que tu pues la morte. Tonya, t'as envie de mourir? Viens.
Viens nettoyer l'habitat. Et puis parler. Dire un secret à Merguez. Sachant que Merguez a essayé aussi de tuer Toya. Mais Toya étant notre héritier, nous avons donc sauvé. Alors que le chat a choisi de tuer Manon. Moi j'ai proposé, est-ce qu'on la guérit? Et elle s'en sort et tout va bien, ou est-ce qu'elle mourra de cette maladie? Et les gens disent qu'elle meurt. Voilà. Ils ont une mère ou tu les as adoptés? Bah, ils ont forcément une maman, mais oui, je les ai adoptés. Salut Anel, comment vas-tu? Sauf que ce soit Tyrion ou Jaime, j'ai jamais vu leur mère, et par contre j'ai vu leur sœur. Enfin... C'était quoi ce bruit encore? J'ai vu la sœur de Titi, mais j'ai pas vu la sœur de Jaime. J'ai vu juste en photo. Qu'on lui coupe la tête. Apparemment, il ne s'est pas fait mordu. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors ma petite pomme, on a plein de travail à faire avec toi. Crois-moi que on n'est pas sorti de la... Ah merde. Il n'y a jamais à bouffer là-dedans. Il n'y a vraiment rien à manger dans leur frigo. C'est pas possible. C'est quoi déjà ses skills à elle? Qu'elle doit faire? Mixologie, jeux vidéo, programmation. Bah tu vas pas préparer à boire. On n'a même pas de bar. Faudra qu'on mette un bar. Et puis après, de toute façon, on déménagera avec elle quand elle sera jeune adulte. Hein. On bougera, on ira à l'autre bout de l'un. Salade de fruits. On ira sûrement à Soulani. Ça va, Nen? À une voix près qu'ils ont fait mûrir la mer. Ouais. Le choix, la responsabilité incombe à la seule personne qui a voté oui, qui a été la dernière qui a mis le oui et qui est donc responsable de la mort. Mais t'as fait quoi toi? T'as fait des grillades là? Ah, il a fait des hamburgers! C'est trop bien! C'est bon les hamburgers! Mais mange hein! C'est gratuit! Enfin, c'est gratuit! Tu l'as payé? Ok, elle va pisser. Bah, vous pouvez venir manger vos hamburgers. Au petit-déj, c'est logique, non? Bon burger là, sa mère, au petit-déj! Le steak, le fromage, tout ça! Ça me rappelle un live chez Marie il n'y a pas longtemps, cette musique. Oui. Merci Marie pour le foyer. Merci beaucoup. Oh, le petit déj sur la terrasse, trop bien. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Viens ici. Non, mais t'es en train d'embarquer le micro avec ton grosse fesse. Non. Vous savez ce qu'il veut encore, obsédé qu'il est? Choper mon élastique. Tu me casses les pieds avec ça en ce moment, toi. Oui, mais c'est à maman. Toi, t'en as pas besoin. Faut pas que tu t'attaches tes poils. Maman, elle s'attache les poils de la tête. Oui, c'est de la tête. Les autres, ils ont pas cette longueur. Rebande de bonnes personnes. Il s'est passé quoi? Pardon, monsieur, vient de finir le boulot. Qu'est-ce que... T'es où, Oniri? Parce que moi, je sais pas. Bon, je vais vous poser la question, mais je sais pas à quel moment vous avez été déconnecté du truc, en fait. Donc, je peux pas te dire, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Être appelé à table? Mais non! Mais qui c'est qui est appelé à table? Mais qu'est-ce que vous me faites? Mais t'as déjà mangé, tu vas devenir obèse. Fais pas ta Shirley, hein. Ça suffit, toi. Arrête de jouer, de te bouger dans tous les sens. Moi là, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pleurer? Mais pourquoi tu veux pleurer? Mais ils ont quoi les Sims là aujourd'hui? Ça va pas du tout, hein? Il a cédé parce que... Oui! Mais il sait que c'est là et il les reconnaît. Même quand je l'ai au poignet là, il les bouffe, il est mort pour les prendre. C'est un petit obsédé de l'élastique. Je sais pas moi, t'es où? Va pisser en fait. Toya, il sait plus quoi faire de sa vie.
pauvre biquet. Bon bah et tout le monde... Oh là là, elle a pas bouffé. Mais t'as fait quoi, ta matinée? Les autres, ils ont réussi. Toi, t'as... Oh là 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 là, je vous jure. C'est pitoyable. On va ranger les emburgés qui ont pas été mangés. Puis bah Toya, qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas prendre ça. Oh, je sais pas, moi, joue un peu, amuse-toi. J'étais à la compétition avec la borne. Alors, avec la borne, si tu veux, Pomme a été la dernière dessus, donc j'ai commencé à dire que ça y est, c'était elle qui avait gagné. Puis après, comme voilà, bon, je lui ai dit, ah, mais vous étiez pas au courant que c'était la bonne, pour cette fois, c'était la bonne compète. J'ai refait une compète avec la console ici, et là, pour le coup, on a vraiment eu un moodlette, et c'est elle qui avait gagné. Donc, bah, Pomme est officiellement maintenant héritière, pour de vrai, quoi, c'est sans triche. Le moment SMR au rond. J'aimerais que Pomme devienne mon amie, comme ça fera Pomme pote. Loul, tout à fait. Allez tous bosser. Bon, elle, pareil, elle aura pas ramené beaucoup de thunes. Hein. Oh là là, nous avons un scout punk. Ah, on l'a loupé, il est là. Le scout punk. Pourquoi pas, après tout. Hein. Chacun aura... Et le punk, s'il a envie d'être scout, il a le droit. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a déjà fini. Ah bah il est juste monté à l'étage respirer et puis il s'est dit ah ça sent bon, je me casse. J'aimerais bien être payé aussi cher moi. Hein Jamie? Jamie mignon, mais je n'avais pas vu qu'on te voyait aussi bien. Ok. Non Maxime il est moche, on va pas le ramener. Oh, ça va Yann, il a pas l'air trop dégueulasse en vrai. Ah c'est le week-end! Je te descends, chaton, parce que là, en plus, je commence à un nez qui gratte. Je me demande si j'ai pas encore mon allergie au poil qui revient. Et merci, Emi Manga, pour ton follow. Bienvenue à toi. Top, ça pom-pom, enfin, une femelle. Exactement. Oh, pff, mais c'est pas vrai. Et ils reviennent des cours, ils sont dans tous leurs états, quoi. Elle a la faim et elle pue. Et lui, juste, il pue. Bah ben, va te laver, Gontran. Alors, ma cocotte, va falloir se faire des ennemis. On va piocher. Des amis et des ennemis. Parmi tout ça. Genre, Pierre, Philippe, on va les appeler et puis... Alors, on va faire ça. Tu vas en inviter deux. Ça ira plus vite. Et vous allez voter pour savoir si ce sera des amis ou des ennemis, parce qu'on doit s'en faire 5 de chaque. 5 ennemis, 5 amis. Alors c'est là, sondage. Nouveau sondage. Ces garçons, sachant qu'ils sont déjà moches, donc voilà. Ce sera pas nos futurs maris, c'est ça que je veux dire. Des amis ou des ennemis. Vous avez une minute pour voter dans le chat. N'hésitez pas. Erreur du service. Mais c'est génial hein. Le sondage est actuellement en cours. Bah, ouf, en fait, ça a fonctionné, mais tout va bien. C'est pas grave. C'est parti pour le sondage. N'hésitez pas à refresh si vous ne le voyez pas à vous paraître dans l'espace chat. Ça fait que merder aujourd'hui. C'est incroyable. On me dit que ça marche pas. Finalement, c'est déjà lancé. Comme ça, vous me direz si ces garçons seront des amis de pom 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 pom. Bien des ennemis. Si elle doit bien se comporter avec eux ou pas. Bon, Jamie, tu me casses les noix. Merci, au revoir. Là, il veut chercher l'élastique. Ça, c'est pour nous, ça. Ouais. Il fait la gueule, ça peut être que pour nous. Pierre Matsuda. Ah, pardon, je vous éternue carrément sur le micro. Ah, si, je traduis entre. Et puis le scout, s'il veut être punk, il peut aussi, tout à fait. Ah.
Ah, j'ai le nez qui reprend là, c'est génial. Et ce sera donc des ennemis à 65%. Ça m'étonne pas de vous. Ça ne m'étonne point. Fais voir un peu à quoi il ressemble. Oh, en plus, il avait même pas les yeux marrons. Ouais, mais franchement, franchement, il a une sale tronche. Hein. Pas être méchante, mais... Voilà, quoi. Tu m'étonnes qu'il est déprimé. Il s'est regardé dans la glace, il a fait qu'est-ce que... Mais quelle tronche j'ai, moi. Quel look de merde, aussi. Voilà, hein, c'est la déprimance, hein. Allez, tu vas être insupportable avec lui. Tu vas être méchante, tu vas l'insulter, tu vas crier dessus parce que comme t'es quelqu'un de mauvais, tu vas l'embêter, tu vas lui crier des mots interdits. Je sais pas ce que c'est les mots interdits, mais faire pression pour obliger à rentrer dans le moule. On irait s'y connaître en moule, pardon. C'est qu'ils sont moches ennemis et qu'ils sont BG amis. En fait, il va des BG avec Pomme. Ouais. Dans combien de jours elle grandit? On avait vu, c'était 9 tout à l'heure. 7. Maintenant, c'est 7 jours. Tu vas pousser. Alors, je sais... Ah, l'autre, il est rentré. On va pouvoir l'agresser. Il est derrière ma tête. Il est juste là. Oh là! D'accord. J'ai pas fait la bagarre, hein. Alerte Covid, 1m50 du micro Charlie. Ouais. Elle me prend souvent, hein, les petites allergies comme ça. Hein. Merci pour à mes souhaits. Et en plus, elle a perdu. Ah, ils se détestent. Bon, bah, ça fait un ennemi. Allez, salut, hein, merci pour être passé. C'était sympa de te rencontrer. Alors lui, il a un pur style aussi, mi-heal, mi-clodo, oh la vache. Bah pareil, il a pas des yeux marrons, hein. Savoir que dans les Sims, j'aime bien ne pas avoir de yeux marrons. Voilà. Encore plus dans le Notsoberry, vu que le traumatisme vient de là. Désolé pour les reniflements. C'est pas voulu, mais... Tiens, tu vas laisser tranquille, tu vas aller manger, tout ça. Vous allez faire votre vie, les deux, là. Ah, punaise. J'ai... Oh, bah, oui. S'est fait castaner la gueule. Ah, la pauvre. Et toi, si tu veux, t'as un aspirateur à passer, en fait. Peut-être que son père, il va pas être content parce qu'elle est mauvaise avec les gens. Elle, lui qui est flic... Il va peut-être se faire engueuler. Allez, insulte-le et tout, là. Dénigre-le. Comment ça, un incendie? Oh non. Mais le Hulk... Le Hulk, il fait cramer. Bah oui, bah si tu fais ça, forcément, regardez-moi, il est content, là. Oh, je fous le feu, oh, je mets mon petit jet, je mets le feu. Ah! Oh! Allez, on s'y met tous. Ah, c'était beau. Ils ont tous aspergé. Ouais, bah, on va pas le rallumer, hein, c'est bien. Bah, tu peux retourner, il y a Claude qui s'est barré en courant, là. Il est là. Tu peux y retourner, hein. Tu peux y retourner, l'agresser, hein, tranquille. Comme ça, nous, ce sera fait. On aura déjà 2 ennemis sur 5. Incroyable. Et salut, bisous grognon, comment vas-tu? Tu t'es reçu un petit sub tout à l'heure. Je viens de voir qu'on va faire un abo. Bah ouais, c'est ça, il y a eu un petit train de la hype tout à l'heure. Et tu as été des bénéficiaires. Ça va, je suis de retour. Ça va, Kikorp? T'as bien mangé? Je crois que t'étais parti manger. Je vais pas tenter la deuxième, t'es obligé de le mettre. Je veux mon heure de gloire. Il y a un incendie. Oui, c'est ça. Mais ils étaient tous dessus, au moins. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ils sont pas traumatisés par l'incendie. Parce qu'ils sont tous genre, ouais, on est trop fort, quoi.
voyez, ils sont pas paniqués pendant 2 semaines parce qu'il y a eu ça, quoi. C'est parce qu'il est pas réutilisé. Ouais, il a essayé de mettre le feu à la maison, c'est ça. Lui qui veut cramer, c'est un signe qu'il est pas réutilisé, donc pas content. Eh, mais c'est Melba ou Dahlia, je sais jamais laquelle des deux. Bon, je suis retour, c'était JS prêté pour des bibis. Mais non, ça va aller. Merci beaucoup pour tes 100 bits. Par contre, tu veux pas te castagner avec lui? Je pense que c'était l'autre, il devait être un peu chaud sur les bords et c'est pour ça qu'ils se sont castagnés. Je pense pas que c'était un... C'était elle qui voulait se battre avec lui. Et plus de choix. Ah si, se battre! Attends, tu vas le repousser. Après, si elle se bat maintenant, elle va pas gagner parce que... Parce qu'elle est toujours pas bien, quoi. Elle est toujours hébétée. Elle est toujours pour 3 heures encore de castagne. Je sais pas si Valnurella, il a pas parlé en tout cas. Ah, ça marche pas. Mince, l'empathie! L'empathie, on prend un sacré coup. Hein. Va falloir qu'elle se rattrape pour être gentille. Hein. Non, alors j'avais mis deux trucs, s'il te plaît, le jeu. Pourquoi tu me fais ça à chaque fois? C'est pas gentil, c'est très méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Tiens, voilà, pousse-la. Pousse-le, pardon. D'où tu me pousses, toi? Tu me touches pas, d'accord? En plus, tu pues, t'as un sale look. T'as vu, moi, comme je suis belle, hein? Moi, je suis la plus belle des poireaux, hein? Bon, par contre, on est très bien. La jauge de rouge est quasiment complète. Hein, on voit. Donc, on est très bien barré. Tu m'as l'air plus réveillé que tantôt. Ouais, ça va. Ah bah écoute, on a bien rigolé tout à l'heure. Je pense que t'es parti avant les crises de rire des histoires que le chat a racontées. Demandez à Philippe quel est son problème. Wesh, c'est quoi ton problème et tout? Jenny Leroy a dit sur Véron, on s'en fout. Laissez-moi dénigrer tranquillement mon amertume. Digérer, pardon, pas dénigrer. Tranquillement mon amertume, certaines choses sont difficiles à oublier ou pardonner, ok? Ok. Mais pourquoi il se passe quoi comme s'il y a quelqu'un qui mourait là? C'est quoi ce délire? C'est elle? Bah, elle a juste envie de se pisser dessus, hein. Elle va pas mourir, hein. Enfin, j'espère. Je suis pas dans la merde, moi. Une héritière qui mourrait. Merci beaucoup, Sarah, pour ton follow. Bienvenue à toi. Oh, on est déjà 2851 follow. Déjà. Samedi, c'était les 2800. Merci beaucoup tout le monde, ça monte de ouf, en quelques jours c'est un truc de dingue. Et on sera bientôt 2900 si ça continue comme ça. N'hésitez pas, follow, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis vous pourrez me revenir voir, me gratter le nez avec grand plaisir pour d'autres soirées en folie, n'est-ce pas? On n'en reparle pas de tout, j'ai encore explosé de rire. J'ai mangé un McDo avec les voisins. Bah, ça s'est bien passé, c'est cool. Alors, nous, on a eu des petites histoires un peu rigolotes. C'était vraiment, c'est bien marré, quoi. Comme les Sims, mais dans la vraie vie. Oui, c'était un problème avec ton pif, sérieux. Bah, écoute, c'est le chat qui a choisi que les deux garçons qu'on a invités à la maison allaient être des ennemis. Donc, elle s'est disputée avec eux, quoi. Voilà. Elle peut pas, faut juste qu'elle attende de se remettre. Oh, ils sont mignons, ils font leur devoir, c'est chou. Tu vas reprendre à manger? Je pense qu'il y a encore quelque chose, prendre des restes. On va demander à Toyat, qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vas pas dormir là? Il est 20h45. Je vais faut retirer de la famille, non? Ça ira, c'est quand même mon héritier en titre. Bah, ça, non, il est plus mon héritier en titre. Puisque maintenant, Pomme est l'héritière pour de bon. Et sans triche. Sans triche. J'avoue que c'était compliqué. Hein. Mais moi, ça m'arrange. Elle a gagné. Je suis contente. Ma petite pommette. Hey, on dirait qu'elle a fumé un truc. Encore ça va. Encore ça va. Ou oh, par contre, lui, Monsieur Vergéture. Ah bah!
J'ai même pas le temps de dire un mot qu'il en avait plus. Tout est normal dans cette vie, dans cette partie. Tout est normal. Mais je t'ai dit de... Il se fout de moi, hein. Il se fout de moi, je t'ai dit de servir le dîner. Pourquoi t'es continué à aller dormir? Je sais pas ce qu'ils ont les Sims en ce moment, mais... Ils sont... dissidents. Je sauvegarde parce que j'ai peur que ça plante, comme d'habitude. Je me montre rien que d'imaginer la tête du serveur. Le pauvre, sérieusement. Bah ouais, mais bon, les erreurs de traduction, d'expression, ça arrive un peu à tout le monde. Hein. Quand on connaît pas. Ah bah voilà, elle est plus... Oula! Pourquoi tu rentres ton bras dans ton corps comme ça? Allez, va jeter ça. Il faut encore qu'elle fasse ses devoirs. Ah maintenant on est vendredi, ça va, il y a le temps. Ça va, il y a le temps. Et mon titi? Ça va, mon grand chacha? Bon, je fais des bisous, je suis à bout, bon dodo. Tu es à bout, t'es fatigué, merci beaucoup pour tes 100 bits. Et bonne soirée à toi, repose-toi bien. Pourquoi les parents n'ont pas les cheveux verts aussi? Alors, Dark Mystique, parce qu'en fait, on est sur le Note Soberry. Et les Note Soberry ont des couleurs prédéfinies. C'est-à-dire que lui, il est de la génération pêche. Donc, j'ai fait une couleur qui pouvait le plus ressembler à la couleur pêche. Comme tu vois, sa cuisine et sa couleur un peu plus pêche, entre orange et voilà. Mais il est blond parce que j'avais déjà utilisé un autre orange pour une autre génération. Et nous sommes ici et ses enfants sont de la génération verte, donc ils sont habillés avec les cheveux verts et les vêtements verts, tout simplement. Et la bonne dernière, derrière en mode Cosette. Bon, écoute, au moins elle est utile, hein, elle s'ennuie pas. Allez, va dormir, va. T'es fatiguette. Toi, va pisser, va dormir aussi, je veux plus te voir. Lui, il fait ses côtelettes d'agneau, là, magnifique. Il ressemble à rien. Qui c'est qui ressemble à rien, Toya? Mais il est très beau, Toya. Il ressemble à rien. Mais non. Bah là, il a pris un peu de poids, mais il est beau gosse, quand même, hein. Tiens, regarde un peu. Bon, là, il fait nuit, ça y est, on voit plus rien. Ah, là, ça m'énerve. On va devoir allumer la lumière. Éclairage automatique. Alors non, c'est pas ça. C'est allumer tous les éclairages. Voilà. Parce que là, il a pris un peu de... Hein. Mais sinon, il est comme ça. Hein, il ressemble à ça. Hein. Sauf que là, il est au bord de devenir vieux et vieux personne âgée. Donc forcément, t'as l'âge qui passe, tu sais. Les soucis, tout ça. Il a perdu sa femme quand même. Son papa. Son grand-père. Son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère, son arrière-arrière-arrière-grand-père, et nous avons encore au-dessus son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Voilà, et ça c'est ce que j'ai montré en début de live. Les héritiers du Note Soberry et des différentes... Génération et différentes couleurs, différentes buts. Voilà. Et il était très... Il était quand même vraiment beau, Toya. Faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. On n'est pas des monstres. Il va passer l'aspirateur quand même. Comment il a grossi? Bah oui. Mais bon, il fait moins de sport hein, et tout. Bah ça va, il se porte mieux que d'autres. Hein, mais c'est vrai qu'il est pas au top. J'avoue qu'il est pas au top, il a perdu un peu de sa superbe. On l'a un peu délaissé aussi quand les enfants sont devenus ados, hein, on va pas se le cacher. Ça, c'est sûr. Après, ils sont ados aussi, hein, donc... J'ai encore envie de... d'éternuer. Ça va trop vite. Bah écoute, stylé la famille, merci. Bah écoute, ça fait quand même 2 ans qu'on est dessus, donc ouais, j'espère. Toya, il s'est pas bonifié avec le temps. Bah, les autres non plus, hein. Quoique, Chamallow, il était quand même beau gosse, même vieux. Hein. Il y avait de très beaux restes, hein. Il était quand même beau mec.
Bonne nuit, Oniri, des bisous. Bonne soirée à toi. Je suis désolée, j'ai encore le nez qui gratte, qui coule tout. Je sais vraiment pas à quoi c'est dû et ça me m'agace. J'arrive. Chaton. Regardez qui j'ai récupéré. Moi, bon, il était pas loin. Hein? Bonjour. Ah. Oh, là, on le voit moins souvent. À moi, Titi. Oh, j'aime tellement t'avoir dans mes bras. Ah. Ça fait du bien. Oh, merde. Il y a les deux. Oh, la vache. Ça va faire des... Tyrion. Zen Tyrion. C'était pas fait exprès. Regardez comment il s'est mis. Il est plus là. Il est plus sur maman. Là, toi, tu laisses ça tranquille. Mon Titi. Vas-y, file. Et toi, t'arrêtes tes bêtises un peu. Ah. Allez, j'ai replein de poils plein la tronche. Je dois vraiment avoir développé une allergie aux poils de chat. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Il a revoulu choper mon élastique. Hein. Laisse. Non, tu descends. Ça va, non, Titou? Bah oui, Titou, il veut pas. Ça va se bastonner, je le sens, ça. Ah, la vache. Chacha, mais il était bien foutu grâce à son yoga. Ouais, en plus, ouais. Ouais, il avait niveau 10 en bien-être, là. C'était beau, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as pas nettoyé les chiottes parce que t'as vomi dedans? Rassure-moi. Si tu vomis dedans, c'est mal barré, hein. Et dire que tu nous as fait un gosse. Mais non. Vous n'en ferez pas. Oh. Bonne nuit, Coco, des bisous. Je viens de me casser l'ongle en deux. Aïe, aïe, aïe. Quelle horreur. La stick de la mort qui tue, exactement. Ah, super, c'est revenu les lapins. Quel bonheur. Bah écoute, toi, tu peux pisser. On va te faire prendre une douche, toi. Toi, t'as faim. Bah écoute, va manger. T'as tout compris à la vie, ma petite. Bravo. Tu es une grande fille. Il n'y a que notre héritière. Ah oui, c'est vrai qu'on est samedi. Il y a le temps. D'où il se lève à 6h du matin. Vous avez vu des ados qui se lèvent à 6h du matin samedi quand il n'y a pas école? Dites-moi. Si Bordeaux et Chamallow étaient pas si mal au bout de leur barre d'adulte. Ouais. Titi coin quoi. Ne te mouche pas sur Titi Corbeb. Non. Mais là, ça allait mieux. Et puis, je l'ai fait des bisous. Et d'un seul coup, j'ai le nez qui gratte, en fait. Donc, ça commence à devenir évident. Le lit de pomme n'est pas collé au mur. Bah non, mais il y a pas que, il y a tous les lits en fait. Parce que par défaut, le lit, quand tu les places, il se colle pas au mur. Hein, dans les Sims. Il y a toujours un espace. Même le lit d'adulte. Hein. Tu viendras passer l'aspirateur, toi. C'est elle qui a l'aspi. J'y peux rien. Moi, j'y peux rien. Hein. Allez, on va s'occuper d'elle. On va se faire le petit samedi tranquille. Et puis voilà. Si, la guirlande est allumée derrière. Ah, oh, pardon pour le micro. Mais vous la voyez quasiment plus, en fait, parce que je... C'est plus centré. Oh là là. Parce qu'en fait, avant, j'avais la cam là. Et des bisous, Martialoux. C'est avec les boules. Ça? Non, ça marche sur pile. Je l'allume plus depuis belle lurette. Faudrait que je l'enlève d'ailleurs, parce que vu le nombre de poussière qu'elle a récupéré avec le temps. Moi, je les colle au mur, car ça fait bizarre.
Elle est morte de rire. Ah, c'est la journée des pirates. Bah écoutez, donc, combien, qu'est-ce qu'on doit faire? Maximum, Garek, Gourou, des technologies, mixologie, jeux vidéo et programmation. Eh bah, tu vas faire de la programmation. Tu vas t'asseoir. Parce qu'on sait que ça fonctionne pas, sinon. On s'en fout, on va influencer les manières. Ah, tu veux jouer avant? Si, est-ce bon chien que sa dernière montée me faire des câlins. Eh bien. Des bijoux martialoux. Pas de soucis, aurait des bonnes douches. Il dit câlin à Shanks, c'est évidemment. J'ai les deux qui sont allongés par terre sur le tapis, là. Ils se tapent pas dessus. Bon, après, il y a quand même quelques centimètres qui les séparent. Ma titi. T'es horrible, moi aussi. On est deux. L'obtention, ne sont... les manières de valer sont combattées avec l'obtention bien élevée. C'est bien ça. Bon bah vas-y, joue hein. Eh, joue Jeannette, joue. Après t'iras manger quand t'auras fini. De toute façon, ça va être bien quand elle sera jeune adulte ou commencera un nouveau travail ou commencera à lancer la quête du mari parfait pour faire des bébés bleus. Enfin, ils seront bleus seulement pour les cheveux, évidemment. Pas de peau. Ce serait difficile. Je sais pas pourquoi on a gagné 46 pouces, mais... On a 70%. Niveau 4. En vrai, elle se débrouille, hein. On va arriver à jeune adulte, elle aura déjà fait deux compétences au niveau 5, quasiment, donc c'est cool. Ouais, faut savoir que j'ai aussi la symétrie aiguë, ce qui n'aide pas seulement dans les Sims. Et salut Mélodie, je t'ai pas vu arriver, t'as raté quoi? Bah l'élection de l'héritier. Pour le coup, j'ai voulu beaucoup tricher, mais en vrai... elle l'a gagné à la loyale et Pomme est bien notre héritière pour la génération verte. Voilà. Je peux te proposer les prénoms pour les bébés bleus. Bah quand ce sera le cas, quand on y arrivera. Gauche, bah non, elle aime les jeux vidéo, elle est obligée. Elle est obligée à remplacer. Parce que ça sert à rien de les proposer maintenant, parce que d'ici là qu'on fasse des gosses, bah j'aurais oublié. Mais de toute façon, bien sûr, il y aura les propositions, mais pas tout de suite, tout de suite. Tu vas aller où avec Pomme du coup pour la map? Ben sûrement sous la nid, hein. On s'est dit qu'on allait sûrement y aller pour finir le challenge là-bas. Alors peut-être avec la génération verte ou peut-être la bleue, je sais plus trop ce qu'on s'était dit en vrai. Si on partirait sur la verte et la bleue sur la même maison ou encore différemment. Sachant que rien ne nous est imposé en fait, donc on pourrait rester là sous la nid pour les deux dernières générations. T'as trop d'idées, bah tant mieux. Mon legacy, c'est Marine Héritière, trop content. L'aspiration mixologie, du coup, je change de map à chaque génération. Tu fais un peu comme moi, t'as fait les règles... Tu t'es arrangé avec les règles, on va dire. Et j'ai un petit Jamie qui essaye de me choper, là. Nickel. Eh ben écoute, tu vas jouer un jeu d'arcade, maintenant. Tu alternes. Et après, il faudra lui apprendre. On va lui prendre un bar pour qu'elle puisse faire de la mixologie. On va lui prendre tout de suite. Comme ça, au moins, on va s'y mettre. On va commencer tout doucement. Alors, en couleur verte. Mon dieu. Oh mon dieu, dire qu'on va devoir faire une maison verte. On est pas mal barré. Oh, mais j'ai une idée! La génération verte, c'est bien de se mettre au vert! Quoi de mieux que pour se mettre au vert d'aller à la campagne? Je lance une idée comme ça. Peut-être. Aïe, 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 attention!
S'il y a trop d'émotes, Nightbot il aime pas. Mais je trouve vrai qu'on va dire, mais j'ai gardé la principale. Oui, bah oui, comme moi en final. Bon, bah c'est magnifique, mais on va lui prendre ça. On va lui mettre ça dans sa chambre. Excuse-moi, Jamie, mais pourquoi tu t'allonges là alors que j'ai des pieds? Je sais pas pourquoi il est sous ma chaise. Tu vas t'entraîner à préparer des boissons. Simplement. Ah bah, il va direct. Un bar dans sa chambre. C'est trop bien, non? Pas bête, bonne idée. Bon, après, ça fera tous mes let's play qui seront à Enford, mais... ça pourrait être pas mal, en vrai. T'as pas de raison en campagne pour un geek, c'est pas top. Mais si, mais on fera en sorte qu'elle ira au village s'il faut, quoi. Pareil, dans les si, j'ai pas non plus respecté qu'il faut rester sur le même terrain. Bah non, mais ça, c'est chiant. Moi, quand j'ai commencé sur celui qu'on fait sur Twitch, je l'ai dit tout de suite, hein. C'est mort, je reste pas. Ah, c'est l'affaire de Finchwick. C'est quoi aujourd'hui? C'est les poules et les œufs. Ça fait bizarre parce qu'on n'est pas, à la campagne. On a quand même la notif pour le truc. C'est trop bien. J'aime bien. T'as mis qu'un émote? Je pense pas. Parce que. Ou alors t'as mis des points d'interrogation ou d'exclamation qui peuvent faire des symboles, tu vois. Oh, le papier peint, c'est quel pack? Ça, c'est paranormal. Je vous conseille, c'est un kit absolument super cute, super beau. Et ces fringues, c'est paranormal également. Voilà. Je l'aime beaucoup, ce kit-là. Donc, je peux vous le conseiller, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ce bar, là, ma mère utilise tout le temps, je comprends pas pourquoi. Ta mère? Je sens que sa tête, il lèche mon bras, puis se frotte la patte sur l'oreille. Je crois qu'il confond mon bras et son bras et mon bras. Bah non. Bah si, c'est la continuité, je suis sûre. Tu vois, il fait ça, et puis après t'as le bras. Marie, elle s'extasie sur son chaton. Oh, c'est mignon. C'est le prochain que j'achète, donc parfait. Ouais, il est vraiment très très bien, hein, ouais. Il a un loup. Franchement, au niveau des fringues, du CUS et du construction, il est très très bien. Et j'ai adoré le gameplay également avec la carrière. Vraiment, j'ai kiffé. Je me suis trop marrée. Et j'ai envie de refaire, hein, franchement. Le problème, c'est que si je reste dans la même maison pour des générations, je me lasse très vite. Non, mais je comprends, Sarah. Le Decades, je suis restée toujours au même endroit. Et ben, je peux te dire que j'en avais marre, en fait, à la fin. La maison était belle et tout, hein. Il n'y avait pas de soucis. J'ai essayé de la ranger à chaque décennie pour bouger un peu, mais j'en avais marre de voir toujours le même environnement depuis le début. Oh, c'était chiant. Oh, coucou Clara, je t'ai pas dit bonjour. Eh ben écoute, je te dirai bonne nuit. Ta vraie mère à toi? Ce bar là? Après, je sais pas, hein, moi. Ouais, il est spécial. Disons que c'est le moins vert que... Enfin, le moins moche vert qu'il y avait. C'est pas très intéressant, mais pour l'instant on fait que monter les skills tant qu'on n'a pas de carrière et tout. Bof quoi, on fait ce qu'on peut. On est déjà niveau 3,5, hein. Donc tous les autres ils s'amusent en bas. Regardez. Enfin ils s'amusent. Oh là là, Toya! Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Merguez il est parti à l'aventure encore. Et l'aventure en aventure, de fin en fin, de port en port. Oh mon dieu! Ah bah voilà, je suis pas là 3 secondes et demie, elle se prend des vergetures partout. Je suis là depuis le début, je suis désolée Clara, je t'ai pas vue. Oh, je suis désolée. Pourtant elle peut changer dans les années 70. J'avais pas ça dans mes règles, je crois. Je crois qu'il était pas écrit dans les règles. C'est pas grave. C'est fait maintenant, hein, c'est fini, hein, je peux plus retourner en arrière, hein. Qu'est-ce que tu joues? Tu me diras, tu joues avec un crayon? Non, t'es pas chiant. Hein, titi? Pouf! Je crois que j'ai créé du drama. Le crayon avec lequel Jamie était en train de jouer, je l'ai fait aller vers Titi.
Du coup, il va venir vers Titi pour jouer et je pense que ça va partir en drame. Mais ce fut très intéressant comme... elle maîtrise maintenant, hein. Espèce d'alcoolique, va. Et dire que t'as 16 ans, franchement. Mixologie niveau 4. Les règles ont changé aussi depuis... Oui. Dans les Sims, c'est pas dans la vraie vie. J'ai pas de bar chez moi. Ah bah oui, c'est ça que je comprenais pas, Sarah. Je pensais que tu parlais de ta vraie maman. Maintenant, 40, tu peux tomber sur déménager au lieu de maison cassée. Ah bon, d'accord. Tu vois. Moi, je l'ai fait, le vieux de la vieille des cases. Première version. Parce que t'inquiète, je parle pas beaucoup. Je te regarde pendant que je joue aux Sims. Ah d'accord, pas de soucis. Dans la bio et SimCity. Si. Attends. Ah oh, si, ouais, j'ai fait du SimCity. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Parce que j'ai changé d'ordi. Donc ça fait au moins un an. Hein. Ça fait un an que j'ai ça se passer. Il fallait que je récupère la save pour qu'on continue petit QCity. Et il y avait gros QCity, je crois. Je sais plus. On se débrouillait vraiment bien hein, sur SimCity. On avait fait des belles. Des belles maisons, des belles villes. Faudrait qu'on s'y remette. Merci beaucoup, Stash Miaou, pour ton... Oh, j'aime bien ton pseudo, c'est trop cute. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Jenny a une chambre. Un placard à balles aurait suffi. Bah, elle a la chambre avec Toya, hein. Elle a la chambre avec Toya. Bon, je crois qu'elle est plus trop en forme. J'avoue. Bah écoutez, on va faire le dimanche aussi. On va que faire travailler ses skills en vrai. On va pas non plus... On verra la semaine prochaine pour ça. Elle sera sûrement... on a encore le temps. Oh, par contre... Toya et Opaline vont bientôt passer à l'âge supérieur. Oh la pauvre. Puis il pleut. Est-ce qu'on a à manger ? Yes, prendre des restes. Ouais, tu vas regarder la télé du coup, ça va te détendre un peu. Ça va, il est pas si tard que ça. Ouais. Allez. Tu vas y arriver. Ça se remonte, le divertissement, plus la fin. C'est merveilleux. Justement qui joue aussi, qui utilise tout le temps ce bar. Bah écoute, non, Fanny, c'est sa maman dans le jeu, je crois. Je sais pas. J'aime jouer à Sims, donc c'est... Je sais pas ce que c'est. Moi, je joue à City Skyline. Ah oui, je l'ai aussi. Voilà, ça fait du drama, c'est bien ce que je dis. Je l'ai aussi, et pareil, j'avais recommencé une ville, mais je crois que je l'ai jamais streamé, celui-là. J'ai jamais streamé City Skyline. Après leur délit, je continue à te décaider et du coup j'aurai une nouvelle règle. Ouais, je sais qu'il avait été remis à jour. Ah, donc c'est vraiment ta maman? Oui, bah. Mais dans les Sims, pas dans la vraie vie, j'ai pas de bar chez moi. Non, mais c'est... d'accord, mais tu m'as inclus en erreur. Donc c'est bien ce que j'avais compris, c'est ta maman qui, quand elle joue aux Sims, utilise toujours ce bar. C'est à la base, c'est ce que j'avais bien compris. Tu m'as induit en erreur, je comprenais plus rien. Ah, niveau de célébrité perdu. Comme c'est dommage. En vrai, tu peux manger, hein. T'as quoi de tête d'âne. Sinon, ça va, je sais. Mais oui, mais j'ai pas. Voilà, ça m'a induit en erreur. Entre le oui et le non, moi je sais plus. Vive le drama. Bah, pour les chats, c'est chiant par contre. Non, tu... Non, il y a le téléphone ici, tu vas pas grimper là. T'es chiant, hein. Oui. Tu les vois, ici, regarde. Elle dort. Ça va trop vite. Mais hier, il a vu le lama, il a une poule, il était content, il voulait les attraper. Hein, tu voulais les attraper, le lama et la poule. Ah, t'es chiant. Il veut absolument rester là, dans mon cou, sauf qu'il est grand. Donc si je le tiens pas, bah il tombe.
Bah vas-y, mets tes pattes dans mon décolleté, je te dirai rien. Ça va comme ça? Biche. Est-ce que tu as des beaux contacts dans tes contacts? À part ta famille et ton frère. Tu vas m'appeler le Yann Denis, là, on va peut-être te caser avec lui. Il a les yeux bleus, il est blond. Enfin, bleu ou vert, mais en même c'est bleu-vert. Y'a pas l'air d'avoir des prix de beauté là-dedans. Hein? Y'a pas l'air d'avoir des prix de beauté là-dedans. Et Vincent Fujita. Ok. Je suis désolée. Ouais, tiens, descends parce que là j'en ai marre. C'est fou hein, cette histoire de. D'allergie là, je sais pas, c'est trop bizarre. Alors j'essaie de m'expliquer, ma mère qui joue au cinéma est toujours se barre dans ses maisons. D'accord, ok, oui, c'est ce que j'avais compris de base, on est d'accord. C'est ça, c'est parfait, c'est carré, on a compris. Fini l'époque du petit machin tenait dans le décolleté, nain. Mais il essaye toujours, hein, mais bon, c'est compliqué. Mais tu l'as appelé, le mec? Ah bah, super. Première impression, le mec, il est déjà énervé, là. Il tape des pauvres petites peluches dragonnettes. Faire connaissance. Fais gaffe, fais voir, toi. Ah bah, il aurait pu être pas mal, en vrai, hein. Il aurait pu être pas mal, mais je crois qu'il a le menton un peu trop en avant. On dirait un mec qui vient faire des repérages pour aller cambrioler. Mais... Bah bien sûr, maintenant il vole... Il est en train de voltiger. Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Bonjour, hein, les Sims sont complètement buggés, hein. Bonjour, hein. Si tu essaies de rentrer par la porte, tu vas te prendre le chambranle d'en haut, hein. Ah, Jenny, il y a de la poussière. Tu passes à ce piste, s'il te plaît. Alors, pom 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 pu. Pom pu, pom douche. Ah non, il y avait ta belle-mère. C'est pas grave, elle va venir faire le ménage. Qu'est-ce que... Tu me diras, lui aussi, il a le menton un peu en avant, mais... Regardez, ah, blond aux yeux bleus, quand même, hein, ça fait plaisir. Yann Denis, je ne vois pas du tout de qui il pourrait tenir, celui-là. Alors, c'est sur la carrière. Oh, Jamie, s'il te plaît, arrête. Pff, c'est chiant. Mais je veux pas que tu traînes sur le bureau. C'est chiant. Un petit peu, c'est bien, trop, c'est chiant, hein, Jamie, tu le sais, en plus. Allez, tu te mets là. Ouais, tu fais des ronds, c'est bien. Oh, il est pas trop dégueulasse, en vrai. Tu glisses, tu tombes. Hugo Denis et Clémence Denis. Je vois pas qui c'est. Par contre, lui, c'est la pleine crise de la... de l'adolescence. Le pauvre. Ah! Bon, on a un bouquin qui vole maintenant. Oh là là, après les Sims qui volent, les bouquins qui volent. C'est magnifique. Et elle me casse aux chiottes. Allez. C'est pas grave, on n'a rien vu. Tu peux venir... programmer. Est-ce que tu peux t'entraîner à programmer ou tu peux pas? Ah non, tu peux pas. Viens t'asseoir. Le mec s'est pris pour Peter Pan. Bonne nuit, Kitty, des bisous. Mais un t-shirt à Toya, il me fait de la peine avec son petit bedon. T'inquiète, il sera relooké. Qu'est-ce qui c'est qui s'énerve, là? Oh, la vache. C'est lui? Mais qui c'est qui est... Mais je viens de les remplacer, ces shots-là, on est d'accord? Ce jeu. Tu glisses, Jamie. À te tortiller partout, là, dans tous les sens. Style de vie obtenu. Ah bah, il est pote aussi avec lui? Non, bah non, ils se connaissent pas.
Et tu vas faire connaissance avec ce petit blond. Moi, je te vois bien avec lui. Bonne nuit, ami Oda, des bisous. Bonne nuit, lui. Elle vieillit quand, Pomme? Bah, dans 7 jours, toujours. On a regardé ça tout à l'heure. Non, ah bah, 5 maintenant. On est passé de 7 à 5. Bon, bah, dans 5 jours, alors. Il s'est passé 2 jours en une nuit, c'est logique. Oh là là! Oh, Toya, il est vieux. Toya va fêter son anniversaire. Il va donc devenir un vieux pépère. Ah, pardon. Il est allongé comme ça sur moi. Ce chat. Quand ce que... Oubliez pas sa tête. Voilà. Il est incroyable. Il est incroyable, ce chaton. Il y a quand même de beaux restes. Il va faire son gata, là. Alors, moi, on m'avait dit que c'était avec le niveau 10 de cuisine gastronomique, je sais pas quoi, qu'on avait droit à un gâteau à pièces montées. Nous allons justement faire un gâteau. J'ai cru que mon jeu allait rendre la main. Est-ce que je peux vraiment... Je l'ai jamais eu, moi, le gâteau... le gros gâteau. La chiparmentier à la fausse viande. Tourte à la viande, tourte à la fausse viande. Des crumpets à la confiture de myrte. Si. Tarte à la citrouille. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ils en ont rajouté des recettes, hein. Oh ! Je l'ai pas, hein. Je l'ai pas, moi. Est-ce qu'il faut que je fasse directement sur le four ? C'est des pâtisseries ? C'est quoi qu'il faut que je fasse pour avoir le gros gâteau ? La guitare de la faucheuse, de la chauffeuse. C'est niveau 5 de gastronomie 6. Bah, il a 10, donc logiquement, il devrait tout avoir. Hein, mais là, moi, je le vois pas. Hein. Je l'ai jamais eu. Hein. Peut-être que je l'ai pas, parce que j'ai pas la bonne édition des Sims. Moi, je sais pas. Chili. Miam, 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 miam. Bon petit chili, là. Ce serait pas mal. Ok, et si je vais dans la pâtisserie? Bah non. Bah écoutez, hein, c'est tant pis, hein, on va faire gâteau normal. Puis qu'est-ce que je vous fasse? Tu vas faire un gâteau blanc. Voilà, parce que c'est... Voilà. Bah oui, cuisine gastro, il est à niveau 10. Il a cuisine niveau 10 et gastro niveau 10. Je sais pas ce qu'il faut, hein. Il a 20 en tout, qu'est-ce que tu veux que... J'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui, j'ai amené un super cadeau. You, est-ce que je peux rentrer? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On l'a eu avec Sibyl, c'est nouveau ce truc? Cyrine, qu'est-ce qu'elle fait elle? Invite-la à rentrer, elle a cadeau, elle a dit. C'est bien quand il y a des cadeaux, on gagne des trucs. La pêche va rider, c'est ça. C'est dans la cuisine gastronomique quand tu cliques sur le frigo. Ah merde! Oh, crotte, j'ai embarqué la... Bah là, j'ai pas. Mais je suis pas avec le bon Sims du Glon. Repas gastronomique. Pièce montée.
Annule tout. Bah ça sera pour les invités au pire, c'est pas grave. Pour Toya, il mérite bien d'avoir un gâteau à deux étages, vous pensez pas? Comme les invités sont des gros morphales, ils iront sur ce gâteau-là là, avant. L'autre qui s'incruste. Oui, j'ai cliqué normal. Ouais, 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 j'ai oublié que c'était autre chose. C'était une autre truc. Elle a reçu un gâteau d'anniversaire, mais c'est super, c'est pas son anniversaire. Mais n'importe quoi. Donc maintenant, les Sims, ils se pointent et ils offrent des gâteaux d'anniversaire. Bon, c'est sympa, hein. Une pièce à démonter pour Toya, c'est ça. Ouais, il y retourne et regardez, on aura du gâteau, là. On va inviter tout le monde. Voilà le gâteau, sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. Et ouais, tout ça, tu vas me faire une petite partie d'arcade. Les autres, je leur laisse faire leur vie en vrai. Je leur laisse faire leur vie. Ma toute première pièce montée. Bonne nuit tout le monde, des bisous Miss Jessica, bonne nuit à toi. De toute façon là, on fait l'anniversaire, il vieillit, puis on sera arrivé à 2 heures de rediff. Donc c'est très bien. Voilà, je suis en train de me dire, là, je suis la rediff de piètre qualité entre le chat, les chats, moi qui éternue. c'est nul. Mais là, ils sont nuls en fait. On se fait chier. Allez, vas-y, mais... Oui. C'est long quand même, hein, Toya, on va pas se cacher, tu es un peu lent. Aïe, 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 manière. T'as pas le contrôle des émotions? Tu vas y courir. T'as coupé quoi, là, des tomates? Dans un gâtal? Le super gâteau. Il y en aura assez pour tout le monde, je pense, ouais. 2 heures de rediff et 1 heure de papotage, ouais. Non, 2 heures de rediff pure pour la... pour YouTube. On a 1h52. Ouais. Je le vois. Hein, Jimmy? Il est toujours comme ça avec les pattes en l'air, comme ça. Oh! Laisse-moi kiffer mon petit gâteau à deux étages, la première fois que je le vois. Non, 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 non. Qu'il est beau avec ses petites perles de sucre. Ah là là. Et ça, j'espère qu'on peut mettre les bougies d'anniversaire. Waouh! C'est pas celui de ta mère. Un événement social. Ah non, là, il y aura de la bouffe pour les invités, hein. Vous êtes content. Wow. Wow, merci. Alors, fête d'anniversaire. Sim célébré, c'est la Toyate. Nous avons bien sûr invité Jenny, le Hulk, Pomme et Opaline. Cyrine, parce qu'elle est là. Madeleine, bah pourquoi pas. Dahlia, évidemment. Jules Fougère, parce qu'il est beau gosse. Je crois que c'est le neveu. Ouais, c'est le neveu ou je sais plus. Lucas Leroy. Qui es-tu, Lucas Leroy? Je me souviens plus. On va inviter Phoebe, parce que c'est notre amie. Katy Perry, non, c'est Katy Petit. Manon, qui est la fille de Sakura. Melba, Orion. Qui est son mari. Martial. Shirley, évidemment. C'est pas mal. Ça fait pas mal de monde. Et on n'a pas besoin d'avoir de traiteur. Nous avons tout ce qu'il faut à la maison. Bar, boîte de nuit, machin. Résidence Rimbaud. Oh, qu'ils sont beaux. Oh là là, oh là là, j'ai oublié le Hulk. La tenue qu'il a, ça lui va trop bien. Il a un pur style, j'adore le pantalon piton. Toi, je t'ai fait faire du sport, effectivement. Et toi, Opaline, t'es habillée comment? En nuisette. Je suis pas sûre que ce soit adapté. C'est pas grave.
T'es gentille, elle met la table, c'est mignon. Ah, elle s'est habillée. Non, elle s'est mise en maillot de bain. Alors, la douche, c'est pas la piscine, en fait. Qu'est-ce que c'est rigolo. Ah, mais tu as mis ta tenue. Bon, je croyais qu'elle s'était mise en maillot de bain, moi. C'est pas mal. Et Pom-Pom, elle a mis ça. Je sais plus si c'est sa tenue de... Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est, tous ces gens? Salut Orion, papy, papy, tonton. C'est tonton Orion qui tond le gazon. Et ça c'est quoi? Emily Lewis, mais je sais pas qui t'es. Non, t'as pas invité toi? Si? Oh! 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 Ah bah là, elle passe à travers les murs, hein, c'est la grossesse. Dahlia est enceinte. Dahlia est enceinte. Ah, oh, les boobs. C'est pas moi quand même qui l'ai mis enceinte, si? Parce que je m'en souviens plus, hein. Allez, Toto souffle, fouffe les bougies, que ça, ouais. Ça marche aussi avec le cheesecake, de mettre les bougies. Oui, oui, sur plusieurs beaux trucs. Ce pantalon magnifique, ah bah... Il va pas à tout, mais des fois, c'est bien associé, bah ça rend bien, quoi. Se renseigner sur les loisirs. Oh là là, oh là là, lui, franchement. C'est cuit déjà, j'ai oublié. Ah, il est déjà... Ah ouais, il est jeune adulte. C'est tristesse, hein. C'est tristesse. On pourrait le caser avec... avec notre fille aînée, hein. Bon, il a l'air un sale caractère de merde, mais... Il est beau gosse, quand même. Quelle tristesse. Tu vas remercier tes invités, hein. Oh! Bah, me v'là en soutif, maintenant. Eh, des fois, j'ai pas de culotte, des fois, j'ai pas de haut. C'est tellement logique. Quel beau short, ma Shirley. Franchement, alors, les talons, c'est pas trop ça, mais les seins qui tombent, c'est parfait. J'en peux plus. Ah non, non. Ah là là, la Shirley à moitié nue en permanence. Bon, bien sûr, je voulais aller là, et bien toi tu veux. Hein, t'es chiante. Ou avec le Hulk. Elle vieillit dans pas longtemps, oui. Elle a du style, Phoebe, hein. Elle est en verte, elle a tout compris pour la prochaine génération. Mais bon, les abonnés ont choisi Jenny comme seconde femme. Ah, il a trop d'action. Mais où est Melba? C'est Dahlia? Où est Melba? Melba, elle est pas venue. Et du Martial non plus. Ah, oh, Martial. Martial, il sèche. Il vient plus sur les lives, donc il vient plus chez les Rainbow non plus. Non, y a personne là-haut. On va dire bonjour à Shirley. Regarde, elle est timide, elle se met à l'écart. Sans son amoureux, elle est perdue. T'as pas acheté ton soutif? Ouais, ça, j'avoue. C'est grâce à vous et le soutien-gorge, surtout. Charlie, quelle classe. Mais tout le temps. Attends, tu rigoles. J'ai tellement un beau short de qualité que je me suis dit, pourquoi mettre un haut? On va pas voir mon short à quel point il est beau. Il n'y a même pas assez de place pour tout le monde, dit. Ah, bah elle est là! Quand on parle du loup, Melbat! Comment tu vas, Melbat? Melbat. N'importe quoi. Melbat. Je dis vraiment de la merde, moi. Demandez à toucher le bébé. Salut, Sorette! J'ai cru que t'allais pas venir! Oh, elle est vénère, par contre, hein. Je sais pas ce qui lui arrive, mais elle est vénère. Bon, bah après, quand tu veux, tu souffles les tu flouffes, hein. Ce sera ton anniversaire, Toya. Hein. On pourra tourner une page définitivement sur toi. Mais bah vache, il parle à tout ce monde. Et lui, il est vénère. Tendu.
Pourquoi ? A besoin de jouer aux jeux vidéo ? Bah va jouer aux jeux vidéo, gamin ! Va jouer aux jeux d'arcade, là. Laisse la place à des adultes qui seront pas énervés pour rien. Un Melbat. Moi, je voulais que ce soit Melba qui gagne, mais elle a pas gagné. Bonne nuit, Guillaume ! Tout est dans le short, le haut, c'est de la futilité. Mais bien sûr ! C'est un short de grande qualité qui a coûté tellement cher que Shirley s'est dit, moi, c'est bon, hein. Les seins qui tombent, ça fera tout le reste. C'est quand tu veux, du coup, Jacqueline, là. Allez, vas-y, ça y est, c'est bon, il va souffler ses bougies. Alors, attention, il y a une lampe. C'est bon. Hop, allez, vous êtes prêts. La génération pêche va devenir vieille. On se souvient tous hein, de cette compétition incroyable de pêche que Toya a malheureusement gagnée. Happy birthday, Toya! Happy birthday, Toya! Happy birthday, Toya, le vieux qui ne vieillit pas. Joyeux anniversaire, Toya. Oh, il vieillit pas. Il vieillit pas. Pendant le film, je lui ai mis des chaussures, c'est ça, du coup, elle est pieds nus. C'est vrai, j'ai pas fait attention. Eh oui, elle est pieds nus, ouais. Bon, bah super, il vieillit pas. Bon, bah écoutez. Bon anniversaire quand même, hein. Regardez, ils ont tous attendu que ça souffle, et puis là, elle tape dans le gâteau. Hein. Bah, dans les gâteaux. Attends, on peut pas remettre des bougies, il y en a encore un de bien, mais... Oh, Martial est là! Martial est arrivé. Martial est arrivé sans se presser. Tu veux pas lui parler? Je veux dire que c'est que cette diablerie. Quelle est donc cette diablerie? Oh, Jamie, il dort tranquille. Mettre le gâtal sur un plan de travail. Ah oui, bah tant pis. C'est... Bah non, mais de toute façon, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait le bug quand... D'accord, elle est partie se coucher, elle. Bien sûr. Partie... Oh, t'es pas encore... piégé les toilettes. Je vais au dedans, moi, des bisous sur mes fessiers à Jean 21. Boule à Jean 21, boule à Jean 21, boule à Jean 21, titi coin coin. Tu te fais toi-même des bisous sur le fessier? Bon écoutez, il vieillira quand il aura envie de vieillir, hein, et puis il sera triste parce que on n'a pas fêté mon anniversaire. Eh ben si, en fait, mais c'est pas grave. Ouais, il clignote, hein, mais bon. T'es fatigué. Et des bisous Marie, des bisous à toi et à Shanks. Et dors bien. T'es un peu sur ex, ma petite Dahlia. C'est les hormones de grossesse qui te font faire ça, là, et de faire du charme, du gringue à ton frère. Pourquoi ça s'éteint? Ah, c'est la lumière de dehors qui s'éteint. Ah, il y a eu un bug. Et fête d'anniversaire terminée! Salut tout le monde! Allez, au revoir, c'était sympa de vous voir et de vous voir bouffer le gâtal. Rentrez bien. Merci, au revoir. Tu peux ranger ça, tu peux ranger ça. Elle va faire le ménage. Voilà, débarrasser. Toi, tu peux pisser, tu vas dormir. Et elle va dormir, ouais, c'est bien. Et Toya, bah écoutez, Toya peut se prendre peut-être une part de gâtal. Puis il ira se coucher. Allez, vas-y, fais le ménage. Yefana ! Allez, tu ranges. Et tu ranges. Bon, ça s'affaire petit à petit, là.
Après la fête, faut ranger. Oh bah oui, des ordures. Salut ? Ah bah oui, des ordures. Bah oui, bah bien sûr. Bah c'est bien, tiens. Heureusement que Jenny est là pour ranger tout. Hein. Salut Julie, comment vas-tu ? Coupure de courant. Des fois ça fonctionne que sur la table, des fois c'est sur un plan de travail. Tant pis, hein, on a fait c'est son anniversaire, il a pas vieilli, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi. Bah, ma petite, t'as pas mangé ? Tu vas pipi, tu vas manger. Et t'iras bah, te coucher, parce que bon, il... C'est pas qu'il est tard, mais... Oh, regardez, il se remémore quand ses enfants étaient jeunes. Et quand il était tout beau, tout frais, tout jeune homme, quand il emménageait ici avec sa femme. Salut Cynthia, ça va Julie, ça va, t'arrives un petit peu à la fin. Un cul de chaton, moi, un petit cul de chaton. Titi. Il va bien, n'inquiétez pas. Ça fait un peu violent, genre je prends le cul du chat comme ça. Il va très très bien, regardez. Il s'en fout, il est content, c'est maman. Il est content, regardez. Tu descends, tu vas jouer ailleurs, s'il te plaît. Comment va Merguez ? Bon, c'est pas terrible. Quand tout le monde va se coucher, et notre petite pomme d'api, elle aussi, et c'est parfait. Et c'est là-dessus que du coup, nous, on va se quitter. Voilà, elle fait dodo. Donc, au niveau de ses compétences, on est niveau 5 du jeu vidéo. On est en mixologie au niveau 4. Et à programmation niveau 4. Donc c'est quand même pas mal. Donc il continuera bien sûr la semaine prochaine. Et je remercie YouTube pour cette rediff. D'avoir regardé ces 2h06. J'espère que ça vous aura plu. Que ça n'aura pas été trop long. Et que l'héritière vous plaît évidemment. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Des bisous, ciao.